Salut tout le monde, c'est Orange91, on se retrouve pour l'épisode numéro 2. Et là je montre le 2 avec mes doigts, que vous voyez pas, j'ai l'air d'un débile. Yeah, pour la deuxième partie, enfin la deuxième partie. Pas la deuxième partie, plutôt là. Le deuxième épisode, comme je l'ai dit, hein, je cherchais autre chose à dire, mais je le redis. De l'aventure suivie que j'ai commencé, il y a pas si longtemps. Donc on se retrouve, ho ho. Toujours cette magnifique vue qui sert à rien. Et donc, j'étais parti pour tuer du mob et tuer. Je vais juste faire un truc. Je suis désolé. Mais je viens de me rappeler que si je ne fais pas 2 lits tout de suite et que je meurs, je vais me retrouver au spawn. Et ça, c'est pas cool. Donc on va poser le lit ici et on va dormir. Je suis désolé. On fera la prochaine nuit. Ce n'est pas grave. Bien. Bon, une fois qu'on a fait ça, on va repartir chercher du bois avec pourquoi pas une. Voilà. Tout simplement. Donc je l'ai sauvé. Il n'y aura pas de soucis. Personne ne voit de creeper. C'est bon. On va chercher du bois. Les moutons, pas besoin. Va peut-être pas s'occuper trop des mobs pour le moment. Comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, les mobs ne repopent plus. Donc il faut faire très attention et c'est là que l'élevage prend toute son ampleur, toute son utilité aussi. Donc faire très 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 attention à ça. Bon, vous devez le savoir, mais moi qui n'ai jamais en survie, c'est une information très importante. Donc on en est à 10. Les bûches, hop là, les moutons sont fous. Si j'arrive à trouver du charbon, ça m'arrangera. Un petit truc exploite ici. Hey, c'est pas mal ce coin. Ah, j'ai bien fait de partir un petit peu au large. Ouais, ça veut dire que ouais, y a pas mal de trucs maintenant à s'occuper. Hein. Dès le début, hein, il faut avoir. Excusez-moi. Les petites sœurs. Bien. Ah ouais, tiens, parfait. Évidemment. Ma pioche va se péter maintenant. Au moment le plus utile. Je sais pas si vous entendez bien le son. J'ai entendu bien le son. Okay. Je vais peut-être l'augmenter un petit peu. On est à 23. Je vais le mettre à 30. Et la musique à 15. Voilà. Bon, en attendant, on a un petit peu de charbon. Un petit peu de charbon. Tels des petits mineurs chiliens, nous amis. Ah, c'est horrible pour eux. Alors, tout simplement pour les faire cuire. Ma viande. Hey, ça fait de la lumière. Et je vais prendre ma pioche en cobble pour aller prendre le reste. Et ainsi pouvoir se faire des torches importants. Je
Voilà, on est là. Bon, en général, on mine jamais au-dessus de soi, mais bon. Je suis un dangereux. Voilà, on est là, pas mal. Vite. Et puis, pour l'instant, c'est à peu près tout ce qu'on va faire. Je vais essayer de péter un peu tout ça. Essayer de me choper les graines. Qu'on puisse tout de suite se faire du blé et autres conneries pour l'élevage, pour la bouffe. Ensuite, j'ai pour projet bien évidemment de faire une canne à pêche et de l'eau, etc. Pour pouvoir pêcher. Très très important. Les poissons sont une ressource du coup maintenant quasi illimitée par rapport aux cochons et au bordel qui eux ne sont plus. Savoir s'adapter. Hop là. Bien. Alors, je vais prendre de ça. Ça, je vais le garder. Ça, je le mets avec. Ça, je le mets avec. Ça, je vais le garder. Ça aussi. Ça nous servira pour plus tard. Garde sur soi précieusement. Ensuite, ça. Voilà. Ah, j'ai pas enlevé. C'est pas grave, je le ferai au prochain épisode. 8. J'en ai un. Voilà, ça nous fait pas mal de choses. Je vais arranger le reste. On va commencer par éclairer le coin. Déjà. Et puis, il me faudra encore du bois. Pourquoi du bois? Tout simplement parce que j'ai envie de faire un coin protégé pour le blé et par la suite aussi pour les animaux. Tout simplement. Alors. Voilà. Plus on en aura, mieux ça sera. Voilà. On replantera aussi les arbres. Je les stocke. On en replantera un petit peu près de la maison. Nous évitera de faire 500 bornes pour choper du bois. 20. Je repasserai tout à l'heure pour choper les pousses et tout le... et les pommes, pourquoi pas, parce que maintenant on goûte des pommes aussi. Voilà. Ça pète. Le bois. Ça nous en fait déjà pas mal. J'ai fait n'importe quoi. Comment on fait? Je sais. C'est comme ça, non?
Ah, c'est comme ça. Et voilà. Encore une fois, en route, j'ai pas l'habitude. Nope, nope. Voilà. 32, ça fera quelque chose de pas mal, pas besoin d'en avoir de plus grand. Ça sert un peu à rien. Bien. J'ai pas vraiment envie de dénaturer le paysage, je vais peut-être monter et faire au-dessus. Il y a de la place. Là, je vais casser. Je vois qu'il commence déjà à faire un peu plus sombre. Je vais quand même déblayer. Ça me fera des ressources en terre. Mais pour la survie, c'est déjà pas mal. Donc ici, je vais installer un petit carré pour faire des plantations. Non pas de cannabis, mais de blé. Tout simplement. On a là-bas des... Bien. Alors, comment on va faire? 5, 6, 6. Et il me faudra une... Ouais, que je vais faire mes autres. De toute façon, je vais pas planter tout de suite. Je descends. Vous avez promis du fight la dernière fois, et j'ai pas respecté. Et maintenant qu'on sait petit peu amélioré, qu'on a un respawn. Bien. On va pouvoir se marrer. Coucou. Voilà, c'est qui les zombies? Oh non, vous êtes sérieux? 14 minutes. On vient. Bientôt les 15. Vous savez quoi? Oh, ouais, tiens, on va se faire une quand même. Ouh, bah dis donc. Alors, soit c'est moi qui me suis amélioré, soit il y a eu des problèmes. Oh, il y a du people. Bon, je vous fais de la main. Oh, bien joué ça. Attaquez-vous entre vous. Moi, je suis simple spectateur. C'est aussi une technique. Non, toi, je t'aime pas. Non, non, pète pas, s'il te plaît. Ça va m'obliger après à remettre tout. Pas cool. Bon, bah, je vous ai fait 2-3 petits fights là. Je vais rentrer. Je vais arrêter la vidéo. Et puis, pour moi, tout de suite après, pour vous, quelques jours
Attends, et vous aurez la suite de la nuit. Voilà, à plus.